Alright tout le monde, je suis Jessener, on se retrouve sur la suite de The Hollow Worlds, Peril on Gorgon. Donc là, j'ai upgradé mes armes, les armures, j'allais les donner à mes compagnons. On va faire un petit tour vite vite de qu'est-ce que j'ai fait. Donc, corps à corps, à cette heure, moi j'ai le truc de scientifique qu'on a récupéré, le Ben, dans la mission précédente qu'on a faite du héros. 312 de dégâts, c'est ben. Puis 295 de dégâts, c'est pas beaucoup, mais c'est parce qu'elle a une capacité, genre, je sais pas c'est quoi, c'est écrit là-dessus, là, une capacité spéciale, on va la tester. Mon pistolet qui est rendu à 776 de dégâts. Ça là, il a pas changé, puis lui, il a pas changé depuis le dernier épisode. Illy, j'ai donné son manteau qu'elle avait avant, parce qu'il fait 34 de défense, fait que c'est bon. Puis j'aurais voulu que tout mon équipage ait des jackets. Fait que Illy a son jacket original. Félix, j'ai donné ce jacket-là. Puis ça y va beaucoup mieux parce que c'est le jacket qui appartenait, je pense, à son oncle ou quelque chose. Perceur de coffre. En tout cas, Félix travaillait pour lui avant, puis a été élevé par ce gars-là. Fait que c'est logique qu'il ait le jacket à sa place. Puis j'ai donné la mitrailleuse qu'on avait trouvée dans le village de maraudeurs. Puis je l'ai upgradé au maximum, niveau 34. Fait que c'est très bien, man. Ça, c'est mon gars d'assaut. J'ai upgradé tout son corps à corps. Fait que lui, il est mix. Il fait les deux. Corps à corps, puis l'assaut. Après ça, t'as Nyoka. Elle, j'ai donné l'armure de Spacer's Choice parce que, ben, je l'avais jamais vue avant, fait que ça c'est original. Sinon, elle a pas changé ses trucs. Parvati, j'ai donné mon ancien fusil qui était fort. Fait qu'elle a quand même un petit bon gun, elle, avec. Avec son même jacket. Max, puis Sam. Alright. Ah oui, puis moi, j'ai changé mon chapeau. Parce que ça me donnait intimidation plus 10 puis 5 de mensonge. Fait que ça augmente mes dialogues encore plus. Ça va les diversifier dans le fond. Parce que tout était dans la persuasion. Oublie ça là. Tandis que là, oups, j'ai des points là-dedans, j'ai des points là-dedans. Fait que c'est les upgrades. Le petit update que j'ai fait la dernière fois. Et puis là, j'aimerais vraiment ça y aller avec Félix, man, cette shot là. Pourquoi? Parce que Félix est vraiment cool, il est nice, puis c'est mon personnage, ben c'est un de mes personnages préférés après Parvati. Puis il y a Ellie que j'aime bien aussi, là, mais Félix est cool. Puis j'ai arrêté d'avoir Félix avant ça, parce que Félix, il me donne un boost de crochetage. Puis c'est ça qui m'avait empêché de contourner dans le fond là, les maraudeurs puis tout là, dans la mission là, que j'ai passé 2 heures à faire. Là. Our intrepid heroes stepped foot on Gorgon, and in the distance, a drinking establishment beckoned. Qu'est-ce qui est hot, man? Il est fucking nice, man, Félix. Fait que là, check mes compétences, mon chum. J'étais à 190 de dialogue. Ça, je suis au maximum, mais oublie ça, là. 93 de mensonges, ce qui est très bien. Quasiment 100. Puis lui, 110 d'intimidation. Avec le casque, puis la chimère. Fait que... ça et tout, je suis quasiment au maximum. Discrétion, Félix il me donne de la discrétion, très utile. Puis Félix puis Parvati il me donnait du crochetage, les deux ensemble. J'étais à 148, il manque 2 points puis j'étais au maximum. Fait que j'aurais pu crocheter toutes les portes que j'avais pas pu avant. Puis ça, c'est les mêmes points que j'avais. Puis ça, c'est les mêmes points que j'avais. Puis là, je suis fucking low parce que j'allais vendre mon stock que j'avais pas de besoin. J'étais rendu avec une shit load. D'armes, puis d'armure, puis de cossins que j'avais ramassé, puis je les ai pas encore vendus. Fait qu'on va aller faire ça. Alright. Beaucoup de blabla au début de l'épisode, mais j'aime ça vous garder up to date. Tabarnak. Au moins, quand on est low dans ce jeu-là, on peut avancer. Tandis que dans Fallout, je pense, Skyrim, on pouvait pas du tout avancer. Comment? Tu peux pas bouger, t'es trop lourd. Ah, tabarnak. Là, ça va faire du bien, je vais pouvoir finir d'upgrader mes armures et mes armes. Stranger. Parce que là, je suis rendu pauvre. All sorts of salvage and weapons. And plenty of. Ben ouais. Vendre. Allez, let's go. On vend tout. Ça, c'est rien de gros, rien de légendaire. Toutes des armes que j'ai utilisées durant mon long parcours, puis j'ai gardé. Alright. Ouais, check-moi le cash monté, man.
10429. Parfait. Alright. Bon. Donc là, je dois aller... Là, je peux passer ici et aller sur le pont, là. Nice. Mais avant, j'aimerais ça avoir des petits dialogues avec... Ah, je vais lui demander tantôt. On va aller à notre mission avant. On posera nos questions après. Ouais, j'ai dû commencer, il y a 6 missions avec Félix, man, il fucking hot. Mais c'est pas grave. Oh. Ah, fuck. Ça revenu. Oh man, let's go. Merde. Merde, des calices de ma vie aussi, j'essaie de passer. Ah, il est fort en tabarnak, Félix, what the fuck? Gros, Félix, il est fucking fort! Ok, Félix, on change de plan de match. Tu restes à distance. Ça, c'est toutes des affaires que je peux revendre. Valeur 131, parfait. Je pense pas à revendre du stock que je ramasse. J'avais pas besoin d'argent que ça rendu à la fin du jeu la dernière fois, mais là... Je vais les revendre. Là. Ah, il y a un coffre à fort là. Can't keep us out. Putain, je prends ça. Je pense pas avoir été là non plus. Je pense que ouais. Ouais, j'y étais. Alright. Ok, là je vais pas me faire voir. Ça me tente pas d'engager engager des combats pour rien non plus. Je vais pas risquer de me faire ramasser. Mais y a pas grand monde ici de toute façon, mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut même courir, si on s'en colle, il se rendu là. Y a pas un crise de chat nulle part. Ok, bon, c'est quoi que j'ai ramassé là? On va la revendre. Je pensais qu'il y avait un rôdeur qui était accroupi là, mais non, ils sont morts. Alright. Oh, c'était facile d'accès. Oh yeah, niveau 30, mon chum. Est-ce que j'ai du son? Ok, tabarnak, j'avais accroché mon speaker, man. J'étais sûr que j'avais plus de son. Alright, gros, mes points. J'ai 10 points. Je
je suis rendu à 150. Pile. Nice. Tiens, là j'en ai 100. Les sciences. Mensonges. Ah, ils ont augmenté le niveau! Yeah! Niveau maximum, je pense qu'avant c'était 30. Ça, c'est quoi? Vous infligez des dégâts supplémentaires en fonction du nombre de vos défauts. 5% de dégâts par défaut. Eh, hey, ça a augmenté. Ça va nous aider à se battre un peu. Nice! Ah ouais, surtout tout, c'est vrai, ils ont des skills. Ah si, j'avais complètement oublié. Dégâts au corps à corps 10%. Ah! Quand ce compagnon Mikeo en combat, il récupère un peu de santé et continue à se battre. C'est utile en Supernova, votre chum. Toi aussi. Yeah, that's it, man! Yeah, le Supernova va tellement être plus simple. Ah, si, je suis content. Là, je dois aller où? Je dois retourner au vaisseau. Ah, fuck off. Oh merde! On est rendu fort, man. Ah, c'est qu'on est rendu puissant. Wow. Ouais, j'avais déjà été ici. Gros, on est rendu puissant, là. Là, j'aimerais ça parler un peu avec mon team. Something you need? Des fois, on développe des dialogues ou des relations. You wanna ask about anything in particular, Captain? Ont-tu débloqué un dialogue? Ouais. J'imagine que les événements d'Edgewater vous pèsent. Dad always said I couldn't keep my thoughts to myself, even when I wasn't speaking. I've been churning on that phonograph we found. The one belonging to Dr. Ambrose? The one where she says Spacer's Choice tested Adrena Time in Edgewater? By the time they sent that drug to Edgewater, they knew it hurt people. La drogue. That it made them violent and stole their minds. But they did it anyway. Edgewater was already fraying at the edges, and they tore it right to bits. All to make money. I just can't conscience that kind of cruelty, no matter how hard I try. It just makes me want to scream. Thanks for letting me talk, Captain. I've been needing to get that off my chest. Je suis toujours là pour vous, petite Parvati. I'm used to folks asking my thoughts, Captain. Sorry they all came tumbling out at once. Thanks for hearing me out. Vous avez testé l'adrénochrome? Nuh-uh. Dad wouldn't let me near it. He was a real big believer in rest. Not his own, mind you. Mine. A drug was no substitute for that, he said. No matter what Mr. Thompson told us. He never did follow his own advice. He worked himself to death. And the company didn't even thank him for it. Et lui, il en prenait de l'adrénochrome. Not that he told me, but
Edgewater was a big town then, and it only had me and him to keep it running. Most nights after I got to bed, he'd just keep working. I always wondered how he had the stamina. Turns out he didn't. Je suis désolé pour vos parvati. Thank you for saying so, Captain. He died a long while ago now, but it ain't something you ever get over. You just learn to live with it. I'm still learning. Okay. Alrighty. You change your mind, you just holler. Yeah? I mean, what do you need? Captain? Mister? Sir? T'es. Ah, t'es là, toi. Yo. Yeah, boss? Est-ce qu'il hâte, les gens l'aiment. Vous avez une minute? J'aimerais discuter de cette affaire de Gorgon avec vous. You know, if you told me a corporation was responsible for making all the Marauders, I guess it was Spacer's choice. Yeah, boss? On a-tu d'autres choses? Nah. Mais il y avait d'autres dialogues après, désolé, yeah, là, mais j'aime ça avoir des dialogues avec mes compagnons. Sure, I got time. Ouais, c'est ça, je vous trouve son genre depuis qu'on a visité le Bic. I don't know what pensive means, but I've been thinking. That voice we heard, the ghost of Gorgon, I can't stop thinking about what they said. Whatever happened on Gorgon was no accident. Spacer's choice made the Marauders. Ils essaient d'étouffer tout ça. You ever get the feeling we're uncovering some sort of conspiracy? Spacer's choice made the Marauders. And then those Marauders ended up in every corner of Halcyon. Je me disais bien que ça serait pas aussi simple que de trouver un vieux journal. Si on espère découvrir la vérité, on ne peut pas tirer des conclusions. Nah. Everybody knows somebody who got hurt by Marauders. Everybody knows some place they got hit by him. Let's just get to the bottom of this job. C'est bon. Il est passionné, je le trouve cool. Je le trouve vraiment nice. Comment ça, ils sont encore là? Tabarnak! T'es-tu sérieux, man? Let's go! Bang! On va aller vendre ça. Gros, un jeu de même là, qu'est-ce que j'aime pas d'un jeu comme ça où t'as plein de compagnons pis tout, je trouve ça malade. Mais c'est comme mon premier rollthrough que je fais, genre. Je sais pas comment habiller mes compagnons, je veux que tout le monde matche ensemble, je veux donner les meilleures armes à tout le monde. Pis là t'as pas juste un compagnon là, t'sais, un compagnon tu te donnes du stock, tiens voilà. Là c'est plusieurs là, t'es comme ok lui faut qu'il y ait ici, lui faut qu'il y ait ça, lui faut qu'il match avec l'autre, je sais pas, je trouve ça nice. Pis compliqué à la fois genre. Bon là tu fais essayer une arme ou une armure à quelqu'un, finalement t'es comme ouais non ça y va pas bien comme j'ai fait avec Ilya avec le jacket. Et j'ai dit ouais finalement non, fait que j'ai donné le jacket à lui puis là j'ai remis son vieux jacket à l'autre. Je change tout le temps d'avis, c'est fou. Ah il y avait un collier, on va aller vendre ça. Ok avant de partir, on part-il? Je pense que ouais. Hey stranger, nice to see you're still alive. Let me... Ok, je peux skipper le même, nice, je m'en souvenais plus. All sorts of sal. Vendre. Eh. Evacuation in progress.
Mais la seule affaire qui me manque, là, c'est de trouver un jacket à... Ah ouais, tout le monde a level up. On veut tout le donner. Attends, ça c'est quoi? Oh, c'est bon ça, merde. Fuck. J'avais pas pris ça, mais on va prendre ça pareil. C'est vraiment important quand on fait du Supernova. Tout le monde level up, ça que je trouve cool. Ouais, ça, il manque juste à trouver un jacket à elle. Parce que tout le monde a un jacket sur le fil. Ben, moi, j'ai pas un jacket, j'ai un petit veston, mais c'est la même affaire. Moi aussi, je suis classique, man, je suis capitaine. Oh, t'es rod 2, man! Ah ouais! On retourne dans les vieilles planètes. Captain, transmission request from Ambrose Manor. J'ai parié que c'est Mini qui vient aux nouvelles. Pensez à moi. Captain, imagine my surprise when I saw the unreliable leaving Gorgon with so much urgency and purpose. Tell me you found Mother's journal. I'm positively dying for good news. Quelqu'un m'a conseillé de me détourner de Gorgon avant de verrouiller les lieux. Oh, j'ai surtout mis à jour de sales manigances. Well, isn't that exciting? A lonely asteroid, an old research facility, and now shady corporate intrigue. And here I've just been doing the crossword. Any promising leads on Mother's Journal? I've watched enough detective serials to know that a promising lead can get you anywhere. Connaissez les anciens chercheurs de Gorgon? I seem to recall that Mother worked closely with Gorgon's R&D personnel, but not close enough to invite them over for dinner and cocktails, if you get my meaning. By now, they'll have moved on with their lives. If only I could do the same. Vous savez que l'adré Nacronine a été développé sur Gorgon? I knew Mother was involved with some important chemical trials. But I had no idea her pet project was Adrenatime. Adrenatime is a working man's stimulant, like a caffeinoid. Very popular at launch, though the marketing quieted down over time. Puis vous savez que c'est ça qu'a fait les maraudeurs? What? No! I mean, there's some very morbid wording in the fine print, but I had no idea Adrenatime could make marauders out of people. That's it. That must be it. Spacer's choice is keeping their dirty little secret about Adrenatime off the record. We have to find Mother's journal. If we don't, then Spacer's choice gets away with murder. I only hope we aren't too late. Pourquoi Spacer's choice se mettra en péril pour un stimulant? Adrenatime was touted as the working man's best friend, a drug that boosted productivity with no adverse effects. The promise of Adrenatime cannot be overstated. Exhaustion and fatigue were supposed to be obsolete. Workplace accidents would be things of the past. For whatever reason, the drug never lived up to that promise. Un seul médicament pourrait vraiment faire un tel miracle? I don't know. And thanks to Spacer's choice, we may never find out. I know that I'd like to see a colony where the promise of Adrenatime was fulfilled, and I doubt I'm the only one. Oh, je pars. Safe travels. If your leads give you any trouble, be sure and give them some trouble back, yes? J'ai coupé la transmission tout de suite. Je l'aime pas ben elle. M'inspire pas confiance. Oh mais tant qu'à être là, je vais dormir un peu. Question de juste reprendre des forces correctement. On est prêt à partir. Please avoid death.
Félix puis Parvati. Le jacket à Ellie, elle, ça il allait vraiment bien Parvati, par exemple. Je l'avais déjà fait dans mon premier walkthrough. Mais il est pas assez résistant. Oh, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Oup. Ah ouais, mais là, ok, ouais. Pas à mon ancien walkthrough, là. Ben, mon ancien, tu sais, juste dans le premier, là, avant le DLC. T'as la réputation. Puis le conseil était... Ouais. Ouais. Neutralité. Neutre. Il est neutre pour le moment. Parce que sinon, t'avais même pas le droit de venir dans cette ville-là, man. Parce que c'était compliqué. Ouais, c'est ça, j'allais voir le compte de Parvati déjà. C'est combien qu'il est? Ouais, 61, oublie ça, là. C'est fort, là. Oh, on va aller voir qu'est-ce qui se cache ici. Ça sent bien, ça sent bien. Bon. La bonne musique. Ah, fait longtemps, man, que je peux venir ici. Merde, y'a le pont. Il est là. I never knew him. I was a stowaway. That's what they call orphans who grow up in the back bays. Oh gosh. I'm sorry. I must have been lonesome. Come on, Parvati, who are you talking to? Imagine me pining after my family. Yeah, I suppose that was a touch lonesome. But hey, look at me now. I made it. I got a ship and everything. Hey. Welcome to the Musgrave Family Collection. Are you wearing a Jolliker original? I'm impressed. I wouldn't bring a Jolliker anywhere near a Canid. If you're here for the annual Canid review, I'm afraid it's already over. Only thing going on behind those doors is good, old-fashioned, lawful behavior. This greeting constitutes your confidentiality agreement. You hereby agree not to disclose the location or existence of these events. Thank you for cooperating. Gros, elle a remarqué qu'on était habillé fucking beau. Hein. Des concours. Je n'ai jamais entendu parler de concours. Exactly. You do catch on fast. Now then, how can I help you? Je cherche Clarence. Non, je la cherche pas. Oui, je la cherche finalement. Attends, wow! Ok, ouais, c'est bon. J'avais pas une autre... Ah, c'était Sophia, ma quête. Ok, je pensais que j'étais sur ma quête secondaire d'une autre mission. Oui, oui, ok. Mr. Mosley is indeed attending our event, although I am disappointed to discover he did not officially enter his canid Laplace into our competition. You should find Mr. Mosley just inside the prep room. Head inside and take the door to your left. Roman a remarqué qu'on est habillé fucking chic, man. On est fucking supérieur à elle. Wow, ah, c'est beau. Ah, on n'est jamais venu ici. Ben, c'était même pas encore... Ah, c'est nice. Wow. You don't have to be scared of these canids, Captain. I don't think they're gonna hurt you.
Come now, Anubis, you must perk up. Oh, ouais. Un riche citoyen. Toutes des riches citoyens. Oh, just hear me out. It's a brilliant idea. Is this about canid hunting? We've been over this before. It's a terrible idea. Ok, je peux pas. Canid hunting is the natural... Hmm. You there, sauntering about in a Jolliker original. Oui. Do you know the interesting thing about canid shows? C'est une question au piège, il n'y a rien de plus ennuyant qu'un concours de canidé. Oh, but there is, if one possesses an eye for statistics. Oh, fuck. Mathematically speaking, the interesting thing about canid shows is this. They're an exercise in futility. Winning is predetermined. Over time, the inevitable trend is that the race goes to the swift. Time and chance are just statistical outliers. In other words, if you put enough canids through enough trials, the one with the most optimal attributes generally wins. Exercise in futility. Bon. Pourquoi vous me racontez ça? Oh, I've been told I should try to socialize more. Sharing an interesting fact is a proven method of endearing oneself to a stranger. I'm an actuary, you see. Well, not entirely. The actuarial sciences are more of a passion than a profession. So I suppose that makes me mostly an actuary. That's a bit of a family joke. I'm Clarence Mostly. Mostly. Clarence quasiment. Bon, je vous cherchais. Vous êtes le dernier membre connu du personnel à avoir participé au projet Gorgon. Oh. Then you're not here about my monograph. It's true, I was involved with Project Gorgon, but that chapter of my life is long since closed. Listen, I don't know what you want with Gorgon or with me, but let me give you some free advice, hmm? Let the past go. Live in the moment. Enjoy the party. Bon. Intimidation. Et vous, vous voulez continuer à vivre dans le présent, alors dites-moi comment annuler le verrouillage d'urgence. I was wondering if you were the sort of person to accept sensible advice or respond with threats of violence. Thank you for resolving that ambiguity for me. Lifting the lockdown won't be easy. You'll need to send overrides from the chem lab and human inquiry. I don't have that level of clearance, but I know two people who do. The trouble is, I don't know you. I don't trust you. I washed my hands of Gorgon, and you're asking me to dirty them all over again. I'm going to need a good reason. Non d'intimidation, je transporte un véritable arsenal. Ça vous suffit comme raison? Right, of course. Thank you for reminding me. Point well taken. I want a favor from you. Do something for me and I'll do something for you. That way we don't have to rely on mutual trust. The grand prize trophy to the Canid Review. I want it in my hands. Get me that trophy and I'll give you the remaining researchers. Names, locations, as much information as I have. Marché conclu. What, really? You'll do it? I mean, just like that? Don't you want to know why I asked you? Parce que vous manquez de confiance en vous et que vous voulez un trophée pour vous rassurer? While you're technically correct, which is my favorite kind of correct, no, that's not why. My canid, Laplace, is statistically superior to every other canid in this review. Better average sprinting time, superior gait coefficient, optimal anatomical symmetry. I didn't bother entering little Laplace in this pointless contest. He's already won on paper, you see. That trophy rightfully belongs to him. Bah ouais, bah ouais. Il y a vraiment qu'à Byzance qu'on entend ces trucs pareils. Oh, you're much too kind. Does this mean you'll do it?
Head into the main hall and take the elevator down into the maintenance tunnels. You'll find a service passage that leads up into the trophy room. The maintenance tunnel is the only way up into the trophy room. Some technician barred the door shut on our end. Ask Tilda Coatsworth about it, over by the podium. Parlez à Tilda. Ok. Ok, bon, on va aller faire ça, si je peux dire. Yeah, boss? Sure, I got time. Ok, on a rien libéré comme dialogue. Ah, let's go, on y va. Bon, bon, ça va voler un trophée. Je sais pas d'intimidation d'habitude, mais lui, je l'aimais pas. Je m'en foutais un peu. Merci. Oh, je me demandais là. C'est pas ça la drogue? Non, je pense pas que ça c'est ça. Ah, c'est celle-là! Adrénacronine. J'en ai plein ici, j'en prends même pas. Ah si, je suis correct, man. Je prends pas de drogue, moi. Parce que je peux devenir dépendant. Facile. Ça paraît pas là, mais ça va nous aider en crise. Juste à contourner tout ça. Fuck l'autre, ça vient d'être là. Ah, comme là, il aurait fallu que je fasse le tour. Que je fasse le tour tout là. Ça a été de la merde. Là, on n'est pas bougé. Parce qu'on est fucking fort dans le crochetage, man. Folks don't mind us borrowing this. C'était facile. Jollicker's outfits have been linked to a 12% increase in mild to moderate neck injuries, as a result of so many heads turning. C'est votre jour de chance, Clarence. J'ai votre trophée. My trophy! Look at this thing! Have you ever seen a more garish monument to the boredom of the elite? If only Grandfather Mostly were alive today, I would have loved to wave this trophy right in front of his cataracts. Okay. I hope you won't take it personally when I say I had my doubts about you. Nothing ever gets done in Byzantium, you see. Competent work is, well, a statistical anomaly. Ah, j'ai tenu ma part du marché. Le nom, il est lu, Clarence. Non, on va dire ça. Lifting the emergency lockdown requires overrides from the Chem Lab and Human Inquiry. Access to those facilities requires authorizations from two senior level researchers. Marion Blakesley, Jasper Lowe. They went into hiding after the project collapsed,
but I've managed to calculate their last known whereabouts within a reasonable margin of error. Science 40, vous avez procédé des analyses statistiques pour déduire l'emplacement? Expliquez-moi votre raisonnement. I see you're familiar with my technique. I'd love to show you my numbers, but there aren't nearly enough napkins in this room. After the project shut down, I had to keep my mind occupied. I worked on my actuarial tables, calculated the average lifespan of a Spacer's Choice worker, that sort of thing. I realized some of the researchers had to be alive. I ran some numbers, did a little research, and concluded that the two most likely survivors are Marion Blakesley and Jasper Lowe. Ces deux chercheurs sont donc les uniques survivants. As far as I know, Jasper Lowe and Marion Blakesley are the only two surviving researchers with high-level clearance. If you want to lift the lockdown on the manufactory, you'll need to send an override from the chem lab and human inquiry. I'm afraid it's the only way. Ok, il faut initier deux forçages. Ok. I know it feels like you're being led on. What is that colorful metaphor commoners use? A wild sprat chase? Remember, this is Spacer's Choice we're talking about. Their security protocols are just as inefficient and frustrating as their manufacturing. Try to exercise caution. It's good for your lifespan. Bonne continuation. Alright. On a-tu débloqué des dialogues? Je check tout le temps. You ever wonder if those Canid... Ah, ça vous a plu le concours de Canidé? You know me, boss. My idea of having fun in Byzantium involves burning the city down. And again, this wouldn't be a proper adventure serial if we weren't at some fancy Byzantium shindig, rubbing elbows with the rich. And then, robbing him blind. J'espère que vous amusiez. Mais pourquoi cette obsession pour les séries d'aventure? Look, everybody goes through some type of schooling. Mine was adventure serials. Trust me, boss. We're starring in one right now. And we ain't even at the best part yet. Anyway, by the look you're giving me, I'm guessing it's time we got back to it. Est-ce qu'il y a? Yeah, huh? You want to ask about anything in particular, Captain? Ok. Elle a pas le dialogue. C'est ça qui est cool, man. On a plusieurs dialogues à plusieurs personnes. C'est vraiment nice. Oups. Alright. Là, d'après moi, on est quand même bien paré. Là, j'ai des bonnes armes, j'ai des bonnes armures. À moins qu'on en découvre au fur et à mesure, là. Mais avec Félix puis Parvati comme ça, là, je pense qu'on est chill. Là. On a seté notre équipage comme faux, là. Il manque juste Nyoka avec un jacket. Au pire des cas, ça ne pousse pas à la fin du monde, là, mais ça serait cool. Hey, je m'en souviens quand j'étais venu ici, man, tout le monde me recherchait, man. Gros, c'était la guerre dans cette ville-là. Miss Tennyson? Nah. She never looked my way. I knew of her, though. Who didn't? She was just about the busiest woman on the Groundbreaker. What did folks say about her, then? Tough. Competent. Had a glare that'd stop you dead in your tracks. Ouais, Parvati. C'est plate qu'on n'a pas de romance dans ce jeu-là, man. Je pense que tout le monde aurait voulu avoir Parvati. Et tout, c'est un assez bon gun.
Bon. Donc, prochain arrêt, c'est où qu'on va? Someone has left a threatening message on your terminal, Captain. I was unable to trace its origin. Please make a note of it. On va aller voir. Ah yes, on est presque déjà rendu niveau 31. Tabarnak, wow, ça va vite. Un nouveau message. Vous avez un nouveau message. Je suis même pas capable de le lire. Erreur, erreur. Écrasement en cours. Écrasement terminé. Ah, elle a. Quel joli vaisseau que vous avez là, petite fouine. L'imposteur enregistré au nom de Alex Arthur. Seulement, ce n'est pas vous, n'est-ce pas? Ce vaisseau, vous l'avez volé. Tout comme vous comptez voler Gorgon. Ah, c'est écrit Jossener, où c'est que c'est? Je vais le pirater. Balise. Je suis plus proche relais. Ok, j'ai mis une balise dessus, je pense. Ça, c'est pour aller voir qui. Le dernier employeur connu, Jasper Lowe. Commencez vos recherches là-bas. Voyez juste qu'on regarde de maintenance. Mario. Ok, il y a lui pis ça. Ah, précurseur, ok. Alright. Bon. Non, on va cesser là-dessus, man. Moi, j'allais me coucher, puis boire de l'eau, puis tout, puis se mettre en forme. Puis, ouais, tu sais, je pourrais même aller tout upgrader, peut-être un petit peu plus mes armures, puis mes armes. Puis j'ai fait de l'argent. Puis, nous autres, on se retrouve pour la suite dans notre enquête pour Gorgon. À la prochaine. Ciao.